Taz, qui va nous présenter d'abord Bethléem également, puisque c'est sa ville, et qui nous parlera également de la culture palestinienne. Merci beaucoup. En théorie, on est là pour célébrer Bethléem comme capitale de la culture arabe 2020. Malheureusement, avec cette histoire de Covid-19, ce n'était pas possible. En théorie, c'est reporté à l'année prochaine, mais ça, c'est à voir avec l'Alexo. L'Alexo, c'est l'Organisation pour l'éducation, la science et la culture du monde arabe. C'est l'équivalent de l'UNESCO, mais uniquement pour le monde arabe. Et c'est cette organisation qui décrète quelle ville sera capitale de la culture arabe chaque année. Donc ça, c'est le background de notre rencontre. Et je remercie la FPS et tous ceux qui sont impliqués, parce que organiser ce genre d'événement, je sais très bien, c'est pas facile. Et avec cette crise, c'est encore plus difficile. Mais malgré tout, c'est une réussite et je vous remercie infiniment. Mais il y a une chose, puisque quand on parle de n'importe quelle ville en Palestine, l'actualité nous saute aux yeux et le conflit politique aussi. Mais j'insiste sur quelque chose et il faut garder ça en tête. Le conflit israélo-palestinien n'est pas un conflit religieux. C'est un conflit politique. C'est un conflit de droit. Les trois religions, comme elle a mentionné dans l'introduction, ont toujours vécu sur cette terre en harmonie et en compréhension. Et pour l'anecdote, pour vous dire, le problème n'était jamais entre chrétiens musulmans ou chrétiens juifs ou juifs et musulmans, mais c'était plutôt à l'intérieur de chaque communauté, à tel point que on a parlé de status quo historique qui a été imposé à Jérusalem, mais aussi à Bethléem. C'était pas seulement pour régler les choses entre communautés juives et musulmanes ou chrétiennes, mais à l'intérieur de la communauté chrétienne, il y avait des conflits. Parce que vous savez très bien qu'il y a des chrétiens orthodoxes majoritaires en Palestine, et puis il y a aussi catholiques. Il n'y avait pas d'autres à cette époque-là. Au 19e, il n'y avait pas d'autres. Les Coptes, c'était minoritaire, c'était simplement quelques personnes. Une présence réelle, une communauté à proprement parler, c'était les orthodoxes et les catholiques. Mais vu les conflits entre eux, par exemple, il y a quelque chose que les gens ignorent. Les clés de Saint-Sépulcre à Jérusalem sont détenues par une famille, ou par quelques familles musulmanes de Jérusalem. C'est ni l'église orthodoxe ni l'église catholique qui détient les clés, et chaque jour quelqu'un de cette famille, une CB ou les autres, ils descendent, ils ferment, et le matin ils viennent et ils ouvrent. Donc pour vous dire que entre juifs et musulmans, juifs et chrétiens, le conflit n'existait pas au 19e siècle. Tout a commencé après la création du mouvement sioniste. Donc ça, c'est le volet politique. Mais on est là pour parler de Bethléem. L'histoire de la ville, je pense que tout le monde connaît. Vous savez que la basilique de la Nativité est parmi les églises les plus anciennes au monde, qui sont continuellement en fonction. Ça n'a jamais cessé d'être une église, quel que soit le régime, la dominance politique sur le terrain. Ça a toujours été en fonction. Bon, il semble que la plus ancienne église, ça se trouve en Arménie, mais il y a une concurrence entre l'Arménie et l'Éthiopie pour savoir quelle est... Bon, l'Arménie et l'Éthiopie, c'est aussi les deux pays où le christianisme était religion d'État très très tôt. En Palestine, ce n'était pas le cas. Cependant, la nativité en tant que telle, et c'est ce que j'ai dit à notre collègue, l'ambassadeur du Vatican à l'UNESCO, si on a le bâtiment mais on n'a pas la communauté, ça deviendra un musée. Ça servira à quoi? Et effectivement, c'est ce qui est en train de se passer petit à petit en Palestine en général, mais à Bethléem en particulier. La nativité, vous savez, dernier épisode malheureux, c'était en 2001 lorsque ça a été encerclé par l'armée. Et d'ailleurs, l'actuel maire qui vient de m'appeler, je suis désolé pour cette sonnerie, c'était le maire de Bethléem qui vient d'appeler. Il était à l'intérieur de la nativité lorsqu'ils l'ont encerclé pour une quarantaine de jours, voire un petit peu plus. Donc là, je vais insister un petit peu plus
sur la structure démographique, sur la population et sur les pratiques et les traditions autour de la nativité et ce que ça, ça apportait. Ça a été mentionné que Bethléem se trouve entre Betjala et Betsaour. C'est des petits villages à l'origine. Les Bethléemites, tout comme ceux, les habitants de Betjala et Betsaour, à l'origine, c'était des agriculteurs. Et on les considérait comme paysans. On disait, nous sommes paysans. La ville, c'était Jérusalem. Les citadins, c'était Jérusalem, c'était Haïfa, c'était Jaffa, mais pas Bethléem. Bethléem, c'est des villageois. Et c'était un village modeste. La structure de la population obéit, comme un peu partout en Palestine, comme toutes les villes, à des structures familiales. Il y a des familles, mais en fait, quand on dit famille, c'est plus qu'une famille, c'est, entre guillemets, une tribu. Et à Bethléem, historiquement, il n'y avait que des familles chrétiennes. Au 18e, fin 18e, début 19e, une famille musulmane a été considérée comme aussi originaire de Bethléem jusqu'à maintenant. Et du coup, la municipalité est constituée en se basant sur cette distribution des familles. Depuis la création, en 1870, quelque chose comme ça, à l'époque ottomane, de la municipalité de Bethléem, il a été décidé que le maire, de toute façon, c'était la majorité, qu'il soit chrétien. Mais comme il y avait, comme je dis, des quiproquos entre orthodoxes et catholiques, ça a été décrété que si le maire est orthodoxe, à ce moment-là, le premier adjoint doit être catholique. Et vice-versa, si le maire était catholique, le premier adjoint doit être orthodoxe, et c'est respecté jusqu'au aujourd'hui. Malgré le changement radical de la démographie à Bethléem, au départ, comme j'ai dit, il y avait 90% de chrétiens, maintenant il y a à peine 25% de chrétiens. Mais malgré tout, toute la population, qu'elle soit musulmane ou chrétienne, ils insistent pour respecter ce statu quo. Hein? On peut considérer que c'est antidémocratique, mais c'est la population sur place qui tient à ce que ça soit respecté, parce qu'ils considèrent qu'il y a une spécificité pour Bethléem. Donc jusqu'à maintenant, c'est le cas. L'actuel maire, il est catholique. Son premier adjoint, il est orthodoxe. Donc ça, c'est pour la structure, disons, officielle. J'ai dit que c'était des paysans. Effectivement, leur source de vie, c'était la terre. Jusqu'au début du 19e, où ils ont commencé à pratiquer l'artisanat, principalement basé sur le bois d'olivier et en liaison avec la nativité, avec le christianisme. Et au 19e siècle, on avait vu des Bethléemites qui se déplaçaient jusqu'à Paris, ou bien jusqu'à Moscou et même à Kiev pour vendre leur production de bois d'olive et de nacre. Toujours, bien sûr, des crèches, la Sainte Vierge, etc., des choses liées à la religion. Parmi ces choses-là, ce que j'ai dans la main, c'est un chapelet. Et il y a une confusion à propos de ce chapelet. C'est en nacre aussi. C'est parmi les derniers chapelets qui étaient produits, parce qu'il y a très peu maintenant d'artisans qui travaillent le nacre à Bethléem, puisque il y a des productions similaires qui viennent de la Chine. Mais maintenant, monsieur le maire essaye de lutter contre ça et de faire revivre l'artisanat local. Donc, ce chapelet, c'est un chapelet que l'on trouve dans plusieurs pays. Alors, on le trouve Chypre, Grèce, Turquie, Syrie, Liban, Jordanie, Palestine, partout. Et c'est utilisé aussi bien par les chrétiens que par les musulmans. Ce n'est pas un signe religieux, c'est plus quelque chose de culturel. Bien, la ville de Bethléem n'a pas connu, disons, une mutation extraordinaire. Il n'y a pas eu d'industrialisation de la ville. Ça continuait à produire l'artisanat local jusqu'aux années 70, et puis ça commençait le déclin pour différentes raisons.
Elle a mentionné les difficultés de vie dans une ville comme Bethléem. Pour se déplacer, ce n'est plus facile. Pour aller d'une ville à l'autre, c'est quasiment le parcours de combattant. Les gens ne peuvent plus pratiquer les cérémoniales et les pratiques religieuses qui existaient autrefois. Ou alors, ça a été réadapté, disons, et c'est malheureux. Je vais mentionner quelques cérémonies qui sont les plus importantes et qui sont liées. Vous savez, le rythme de vie à Bethléem est lié à la religion, malgré le fait, je rappelle, que les communautés ont toujours vécu en harmonie. Et jusqu'à maintenant, lorsqu'il y a une fête chrétienne, les voisins musulmans y vont souhaiter la fête à leurs voisins chrétiens et vice-versa. Je vais commencer par une cérémonie la plus ancienne, la plus historique. C'est la lumière de Pâques qui sort de Saint-Sépulcre le samedi de Pâques. C'est le patriarche orthodoxe qui reste enfermé pendant 2 jours et une nuit. Et puis quand la lumière, c'est la croyance que théoriquement ça sort de la tente, bon, chacun croit ce qu'il veut. Donc la lumière sort, le patriarche sort avec cette lumière, et puis il y a des prêtres et des gens qui viennent de partout dans le monde et de partout de la Palestine, y compris bien sûr Bethléem. Et donc à l'époque pour Bethléem, on avait l'habitude de prendre cette lumière et d'aller à pied, et à cheval, etc., jusqu'à la nativité. Et puis après, l'évêque de Bethléem, il commence sa cérémonie, sachant qu'il y a d'autres lumières qui allaient vers la Russie, vers la Grèce, vers Chypre, principalement les pays orthodoxes. Ça viendra après. C'est la lumière de Bethléem qui vient en Europe dans les pays catholiques. C'est pas la lumière de Pâques de Jérusalem. La lumière de Bethléem, c'est l'Autriche qui ramène cette lumière en Europe et puis il le diffuse dans les autres pays européens catholiques. Disons, bon, il y a un peu de concurrence, comme je vous ai dit, mais c'est normal. Donc, vous comprenez bien que maintenant, cette cérémonie n'a pas la même forme et n'a pas le même sens. Et puis, chaque année, il y a aussi des problèmes à Jérusalem même, au moment où cette lumière sort de Jérusalem. On a vu il y a 2 ans ou 3, les soldats qui se sont pris à un prêtre, ils l'ont mis à terre. Il y a d'autres processions, il y a aussi la procession de la Vierge qui a été instaurée par les Silésiens, les Don Bosco, c'est encore catholique. C'est au mois de mai, on considère le mois de mai, c'est le mois de la Sainte Vierge. Voilà, c'est ça. Et donc ça faisait le tour entre Bethléem et Béjala, et il y a une région à Béjala, ceux qui connaissent, c'est Trémizan. Et puis maintenant il y a le mur, qu'elle a mentionné tout à l'heure. Et puis maintenant ce n'est plus le même parcours. Donc les parcours de ces processions ont changé et certaines processions ont carrément disparu. Malgré tout, la population y tient. Par exemple, pour les orthodoxes, le dimanche de Rameaux, c'est quelque chose de très important. Et jusqu'à maintenant, ils continuent à le célébrer. Donc, la vie culturelle, religieuse, ça c'est le patrimoine culturel immatériel lié à la religion, à Bethléem, était très riche. C'est encore riche, mais pas comme avant, mais ça devient en péril. Maintenant, c'est en danger réellement. Et je le redis, ça fait partie de la valeur universelle, exceptionnelle de la nativité. Ce n'est pas les pierres des monuments architecturaux beaucoup plus importants que la nativité existent partout dans le monde. Si on laisse seulement le bâtiment, ça n'a pas de sens. Si on enlève tout ce qui va autour, toutes les manifestations religieuses et toutes les cérémonies, à ce moment-là, ça sera un musée quelconque. Donc, c'est ça le danger, c'est ce qu'il faut sauvegarder. Et heureusement que la population, comme ça a été mentionné, y tient à préserver. Et il y a une prise de conscience sur l'importance de ce patrimoine culturel immatériel. Donc, la population palestinienne essaye de leur mieux de résister et de faire vivre et faire revivre la tradition, mais malheureusement, on se heurte à beaucoup d'obstacles.
Bien sûr, c'est toujours lié à l'occupation. Quand on ne peut pas avoir la liberté de mouvement, quand on ne peut pas sortir ou rentrer des produits, ça donne un coût. Par exemple, la majorité de ceux qui travaillaient dans l'artisanat pour le nacre, il en reste un. Il y avait une centaine. Pour le bois d'olivier, maintenant, il reste deux ou trois. Bon, j'ai dit que la mairie, monsieur le maire, essaye de faire revivre cette tradition, mais ça va être très coûteux. Ça va être très difficile parce que, d'un autre côté, il y a une concurrence déloyale. Pour la production, il y a une imitation de la production artisanale traditionnelle qui se fait maintenant en Chine et qui est exportée chez nous à nouveau. Ça, c'est malheureux. Et ça, c'est dommage, parce que ce n'est pas ça ce qui fera vivre la tradition, ce qui fera vivre l'esprit de Bethléem. À côté de cette tradition et cet artisanat, il y a aussi la tradition culinaire qui est liée aussi à différentes périodes et aux festivités. Par exemple, à Pâques, il y a des choses que l'on fait, ce qu'on appelle carême maoul. C'est quelque chose qui est absolument traditionnel. Et maintenant, les gens ont pris conscience et ça revit et c'est respecté. Mais il y a beaucoup de choses qui disparaissent petit à petit. L'idée, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait un encouragement aussi de l'extérieur. Malheureusement, l'image qu'on a avec ce qui se passe, c'est un peu sombre, c'est vrai. Mais malgré tout, on encourage les étrangers de venir en pèlerinage et en visite. Bon, pour ceux qui ne sont pas religieux, il y a quand même des choses historiques intéressantes à voir à Bethléem et autour de Bethléem et qui sont liées à l'histoire mondiale. Je vous rappelle que la première proposition des Nations Unies pour le partage de la Palestine, il n'y avait pas que seulement l'État juif, l'État arabe, comme on disait, mais il y avait le corpus separatum, une troisième zone, et qui, comme par hasard, ça commençait par Bethléem, passant par Jérusalem, allant jusqu'à Nazareth, c'est-à-dire les trois principaux villes du Christ. Et effectivement, parce que c'est lié à l'histoire de l'humanité tout entière. Certes, Jérusalem est lié aux trois religions, et ça, personne ne peut le nier. Le problème, c'est que la religion a été mixé avec la politique et ce mélange est généralement mauvais, voire tragique des fois. Vous connaissez quelque chose, vous connaissez ce qui s'est passé en Europe, les guerres religieuses qui ont duré 4 siècles, hein, l'édit de Nantes, c'est ça. Du moment où on mélange religion et politique, ça devient explosif. Et malheureusement, Netanyahou et le gouvernement israélien ont réussi à mélanger et à conférer une couleur religieuse au conflit, ce qui est absurde et idiot. Et ce n'est pas du tout notre position. Nous, on considère notre conflit est un conflit politique. On va parler de patrimoine matériel, patrimoine culturel. La région de Bethléem, comme partout en Palestine, il suffit de creuser un mètre et demi et vous trouvez quelque chose. N'importe où en Palestine, partout. Et ça aussi, c'est un autre problème parce que pour cette activité, les Israéliens sont beaucoup plus forts. Ils n'arrêtent pas de fouiller par-ci et par-là. Et malheureusement, tout ce qu'ils trouvent, ils l'emportent du côté israélien. C'est bien sûr du trafic illicite et c'est de l'appropriation des objets archéologiques aussi de façon illégale. Récemment, à Bethléem, à côté de Bethléem, il y a un petit village qui s'appelle Tour. Il y avait des vestiges d'une église, une église byzantine qui remonte au 4e siècle. Et parmi les vestiges, il y avait un baptistère qui était en très bon état. Beaucoup d'entre vous ont vu la vidéo circuler. C'était pendant le début du confinement. Donc, l'armée israélienne a profité du confinement. Ils sont entrés dans ce village et ils sont allés à l'endroit où ça a été entreposé. Ça a été entreposé dans le jardin
du maire. C'est le ministère de tourisme et de l'archéologie qui a demandé au maire de le mettre là-bas pour le protéger pendant la seconde intifada, pour éviter qu'il soit détruit. Donc l'armée est entrée, ils l'ont mis sur un camion et ils sont partis avec. Et quand il y a eu des protestations, ils ont dit non, non, mais ça nous appartient, c'est les Palestiniens qui l'ont volé. Et pourtant, il y a des photos du 19e siècle qui montrent ce baptistère à cet endroit, c'est-à-dire dans le village, mais c'était l'emplacement de l'église. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, cette pratique, mais qui est, à mon sens, et d'ailleurs même aussi au sens de la légalité internationale, c'est criminel. En avril 2010, il y avait des fouilles à la porte de Jaffa, Bab el Khalil, à Jérusalem, dans la vieille ville. Bien sûr, on a protesté, ils ont dit, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire des fouilles. Ils ont dit, non, ça, on fait des travaux pour améliorer le confort et la vie des citoyens palestiniens de Jérusalem-Est. Cependant, en faisant le soi-disant travaux, ils sont tombés sur une église byzantine qui remonte au 3e, 4e siècle. Et il y avait une pièce voûtée, et puis il restait un morceau de mosaïque qui fait à peu près 1 mètre fois 80 ou 90 cm. Le mosaïque qui a été assimilé au même, à la, même style et même période que le mosaïque de Madaba en Amman. Mais bon, ça c'est pour les experts. Et on a des photos. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils ont enlevé ce morceau de mosaïque, ils l'ont pris à Jérusalem-Ouest, ce qui est interdit déjà. Et puis, pour la pièce de l'église voûtée, ils l'ont remplie de béton, de 275 mètres cubes de béton. Ce qui veut dire que c'est... En fait, j'ai demandé aux experts, et ils m'ont dit que ça dépend s'ils ont mis quelque chose, je ne sais pas, techniquement, ça dépend comment ils l'ont fait. S'ils ont mis directement le béton, ça veut dire que c'est perdu pour toujours. S'il y avait une couche avant pour protéger je ne sais quoi, on peut récupérer. Mais ça, on ne le sait pas. Israël ne veut pas donner de documentation ou de dire quoi que ce soit. Et donc, ça a été... Alors, cette église n'appartient pas... C'est vrai, c'est en Palestine, c'est vrai, à Jérusalem-Est, mais ça n'appartient pas aux Palestiniens. Ça appartient au monde entier. C'est patrimoine mondial. La vieille ville de Jérusalem a été inscrite comme patrimoine mondial de l'humanité. Donc ça vous appartient, le baptistère qu'ils ont volé de Bethléem. Quand on sort un objet archéologique de son contexte, on l'appauvrit. Les experts insistent qu'un objet archéologique in situ, sur place, ça a beaucoup plus de valeur et ça reflète beaucoup plus l'histoire que lorsqu'on le prend et on le met au Louvre ou je ne sais où. Et c'est ce qui met en péril le patrimoine à la fois matériel et immatériel. Donc, mais pour être honnête, on n'a pas les moyens et on n'a pas la force suffisante pour obliger Israël. Et je pense que c'est là où votre rôle est essentiel. À part une pression mondial sur Israël, je ne vois pas comment ils pourraient changer leur politique. On est en train de résister quotidiennement, chaque jour il y a quelque chose. On a parlé de Kremizan, j'ai parlé très rapidement, mais le mur passe là-bas et divise la terre de monastères, mais aussi ça prend beaucoup de terre des habitants de Béjala qui dépendait de la production de cette terre. Et donc maintenant, on a beaucoup de familles qui n'ont plus de source de vie. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont migrer, forcément. Et majorité d'entre eux, encore une fois, ce sont des chrétiens. Parce que, comme j'ai dit, les habitants à Béjala et Betsaour étaient principalement chrétiens. Jusqu'à maintenant, à Béjala et à Betsaour, la majorité est chrétienne parce que c'est des petits villages, pas comme Bethléem. Bethléem a grandi beaucoup depuis, ce n'est plus un village comme autrefois, c'est une petite ville. Donc voilà, c'est à ce niveau, au niveau de patrimoine culturel et immatériel et matériel.
La nativité en 2012 a été inscrite sur la liste de patrimoine mondial en danger. Mais pourquoi en danger? Pour une fois, elle n'était pas en danger à cause de l'occupation, comme c'est le cas à Jérusalem et à Hébron ou bien à Battir. À Hébron, on a inscrit la vieille ville, y compris la mosquée d'Abraham, qui est le tombeau des patriarches, à Hébron sur la liste de patrimoine mondial en danger, et ça reste en danger à cause des pratiques israéliennes. Par exemple, ils sont actuellement en train de détruire la place historique et pour construire des rampes et construire un ascenseur et je ne sais quoi, quelque chose qui n'a rien à voir avec même le style architectural. Donc ça se voit, ça fait un effet visuel néfaste. Par contre, à Bethléem, on l'a inscrit sur la liste en danger parce qu'il y avait un problème dans la toiture de l'église et il y avait une infiltration d'eau très importante. Et heureusement, on a réussi à restaurer la toiture, mais aussi l'église tout entière. Et il était prévu de faire l'inauguration après la restauration au mois d'avril, en même temps que la célébration de capitale de culture. Et malheureusement, c'est aussi tombé à l'eau. Il était question de voir beaucoup de chefs d'État, et même théoriquement, le pape devait être là aussi. On voit maintenant clairement les fresques qui sont sur les murs. Avant, ce n'était pas visible à cause de la fumée et tout ça. Et puis, même sur les colonnes, il y avait aussi des fresques qu'on ne voyait pas. Maintenant, on voit tout ça. Et puis, la mosaïque aussi dans le sol. Maintenant aussi, on la voit, ça a été restauré par des experts italiens. Donc, il y a des efforts à tous les niveaux. Pas seulement le niveau officiel, et ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire la population elle-même. Et il y a beaucoup d'actions des petites associations qui essayent de préserver ce patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel. Maintenant, pour faire vivre ça et pour que ça soit, durable, et il faudrait quand même que le tourisme revienne. C'était ça le deuxième, parce que je disais au départ c'était l'agriculture et puis l'artisanat, et puis ça a disparu, aussi bien l'agriculture que l'artisanat. Tout ce qui restait, c'était le tourisme. Effectivement, pendant les quelques dernières années, ça marchait relativement, et maintenant ça c'est en déclin à nouveau. Et ça va affecter les habitants, et malheureusement, à chaque fois qu'il y a une crise comme ça, on voit un mouvement de migration, des fois massif. Donc, le plus important, à mon avis, c'est d'aider la population à rester sur place. Effectivement, ça a été évoqué, on lutte pour un droit et on réclame des droits égaux, etc. Mais je pense, à ce stade, on est loin, parce que, vous savez, le contexte international avec l'actuel président des États-Unis, le droit international et le multilatéralisme a pris un coup sérieux, malheureusement. Et puis, il n'a pas honte de le dire, il l'a dit. Vous savez, les États-Unis ont quitté l'UNESCO, ils ont quitté le Human Rights Council, le Conseil de droits de l'homme, et puis pour l'OMS, je ne sais pas s'ils ont quitté, mais il était question aussi, je dis, ils ont diminué leurs finances pour beaucoup, même pour le UN, ils ont diminué leurs finances. Donc avec quelqu'un comme Trump, c'est malheureux, mais ça affecte le monde entier, et puis surtout les pays vulnérables comme la Palestine. Bon, espérons que ce monsieur ne sera pas reconduit. Il y a une question qu'on me pose souvent, les journalistes, ils disent, et l'UNESCO, que fait l'UNESCO? L'UNESCO, comme vous le savez, c'est une organisation onusienne qui s'occupe de l'éducation, de la culture, de la science, effectivement, et qui a en charge la protection du patrimoine sous toutes ses formes. Et vous savez qu'il y a plusieurs conventions de l'UNESCO pour la protection de l'héritage. La première convention, c'était en 1954,
c'est la Convention de protection de propriété intellectuelle en cas de conflit armé. Parce que très rapidement, la société internationale a compris qu'il y avait quelque chose à faire suite à la première et surtout la seconde guerre qui était terrible à tous les niveaux, après le niveau des pertes humaines, mais il y avait aussi beaucoup de pertes au niveau patrimoine. Donc, c'est pour ça que l'UNESCO a développé cette convention. Après cela, en 70, il y avait la convention de lutte contre le trafic illicite de biens culturels, parce qu'on a compris, on a remarqué qu'il y a beaucoup de biens culturels qui circulaient hors de leur pays illégalement. Et puis, vous le savez mieux que d'autres, que les musées en Europe contiennent beaucoup d'artefacts qui viennent de l'Égypte, de la Palestine, de la Syrie, du Liban, et illégalement. Hein. Mais le Moyen-Orient a été pillé. Voilà, c'est exactement le terme. Bon, maintenant, malheureusement aussi, que ce genre de convention n'est pas rétroactive. C'est-à-dire, tout ce qui était volé avant 70, on ne peut pas le réclamer en se basant sur cette convention. Bien. Ensuite, l'UNESCO a développé la convention 72, qui est la convention pour la protection de patrimoine culturel et naturel. Et c'est cette convention qui a produit la liste de patrimoine mondial sur laquelle on inscrit les sites. Alors, bien sûr, en France, il y a pas loin d'une cinquantaine de sites. Bien sûr, ça commence à Paris, mais on a toutes les cathédrales, comme la cathédrale de Chartres, etc. Donc on a beaucoup de sites en France qui sont inscrits. En Palestine, nous n'avons que Jérusalem, Bethléem, Hébron et Battir. C'est un petit village. Oui. Voilà, c'est pas mal quand même. Et c'est aussi un site historique. Et il y a ce qu'on appelle les terrasses, l'agriculture en terrasse. Et il y a un système d'irrigation qui remonte à l'époque romaine. Certains experts le datent aux alentours de 3000 ans avant notre ère. Pardon. C'est quand même un système rudimentaire, mais qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. C'est à bâtir, oui. Avec une façon de mesurer, parce que il faut distribuer l'eau équitablement sur les parcelles. Et pour faire ça, on me l'a expliqué, bon, je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est avec un morceau de bâton, il mesure, je ne sais quoi, etc. Et donc, Israël, à un moment, a décidé de faire passer le mur là-bas. Et c'est pour ça qu'on a accéléré la nomination, et heureusement, ça a été accepté. Et du coup, le projet du mur, pour l'instant, c'est gelé. C'est pas annulé, mais ça a été gelé parce qu'il y avait des associations palestiniennes et israéliennes qui ont porté l'affaire à la cour en Israël. Et puis la cour, dans le dernier jugement, ils l'ont simplement gelé à cause de la décision de l'UNESCO. Bon, donc l'UNESCO peut prendre des décisions d'inscrire un bien comme Bethléem, et ça a été fait. Beaucoup de décisions de l'UNESCO qui condamnent les violations israéliennes, que ce soit à Jérusalem ou dans le domaine de patrimoine. L'UNESCO ne condamne pas politiquement. Il condamne simplement les violations du patrimoine, que ce soit patrimoine culturel ou naturel ou immatériel. Et pour cela, il y a beaucoup de décisions qui demandent à Israël, par exemple depuis 68, la première décision de l'UNESCO concernant les fouilles archéologiques à Jérusalem remonte à 68 et qui demande expressément aux autorités d'occupation israélienne de cesser ces fouilles archéologiques. Et depuis, chaque décision reprend la même chose, demandant depuis 68 jusqu'à aujourd'hui, et les fouilles n'ont jamais cessé. Alors les journalistes me disent, mais ça sert à quoi alors de prendre des décisions qui ne sont jamais mises en œuvre? L'UNESCO n'est pas le Conseil de sécurité. Ils ne peuvent pas décréter des sanctions. Ils ne peuvent pas prendre des mesures coercitives contre les États membres qui ne respectent pas les décisions et les résolutions de l'UNESCO ou les conventions de l'UNESCO. Israël, comme les États-Unis, en décembre 2017, ont annoncé leur retrait, et leur retrait est devenu effectif de l'UNESCO en 2018, décembre 2018. Mais malgré tout, ils sont restés partie
aux conventions de l'UNESCO, c'est-à-dire ils n'ont pas dénoncé les conventions. Ce qui veut dire qu'ils sont tenus à respecter ces conventions et le règlement dans ces conventions, mais ils ne le respectent pas. Que peut faire l'UNESCO ? Il ne peut rien faire à part déplorer les violations israéliennes et dire que ce n'est pas en conformité avec les conventions de l'UNESCO et l'esprit de l'UNESCO, les valeurs de l'UNESCO. Ça s'arrête là. Alors on me redemande, alors ça sert à quoi si ça s'arrête là ? En réalité, ces décisions et les rapports de l'UNESCO font partie de ce qu'on appelle la légalité internationale. Donc, cela reste comme preuve historique, légale, de la pratique israélienne dans les territoires occupés. Et dans le futur, qui sait, peut-être certaines violations seront présentées à la Cour pénale ou à la Cour de justice internationale, et ces décisions seront des evidences, seront des preuves qui pourront être mis dans ce dossier. Donc l'utilité est là, et c'est nécessaire pour documenter aussi, documenter de façon officielle et internationale, les violations israéliennes. Et il y a une chose malheureuse, bon, on essaye à Bethléem, on a fait attention et on fait attention de garder ce qu'on appelle le caractère distinctif de la ville. Lorsque vous, occidentaux, vous venez dans notre pays, je suppose vous ne venez pas pour voir l'architecture post-moderne parce que vous l'avez chez vous. Et vous avez les meilleurs architectes post-modernes. Vous venez pour voir l'histoire. Malheureusement, les Israéliens sont en train de transformer, de changer cet esprit et ce caractère distinctif des villes. C'est ce qu'ils sont en train de faire à Hébron, c'est ce qu'ils étaient en train de faire et ils sont en train de faire à Jérusalem. Je donne un exemple très rapide pour Jérusalem. Si vous prenez les photos, ne serait-ce des années 70, vous les comparez avec les photos actuelles, vous allez voir la différence. Dans les années 70, le pourtour de la vieille ville de Jérusalem, on voit bien, c'est une ville historique, c'est une ville orientale. Bon. Maintenant, l'extérieur de la ville, tout autour de la ville, ça ressemble à une ville européenne. On a le tram qui circule juste à côté des remparts historiques, à 2 mètres. Même à un endroit, c'est presque un peu moins que ça. Et pourtant, d'après encore la convention de l'UNESCO pour le patrimoine culturel et naturel, ce genre de pratique est interdit. Israël a construit le tram à 2 mètres. Et personne, bien sûr, ça a été condamné. Il y a des résolutions qui disent à Israël que c'est pas bien, qu'il fallait pas le faire, etc. Mais ça a été fait. Actuellement, ils sont en train de préparer un projet pour construire un téléphérique qui traverse Jérusalem d'est en ouest, passant au-dessus de la vieille ville. Et puis, plus loin à Abu Tor, c'est-à-dire à peine 2 kilomètres aériens de la vieille ville, ils veulent construire, comment on appelle là, la roue, comme ça, c'est Ferris Wheel, qui théoriquement doit la grande roue, 60 mètres de hauteur. Donc ça va, Jérusalem, déjà maintenant, ressemble à une ville européenne quelconque, et ça va devenir Disneyland avec leur téléphérique et la roue et je ne sais quoi. Et c'est pas ça ce que vous, en tant que touristes occidentaux, vous attendez. C'est pas, vous avez des grandes roues partout. Vous avez des téléphériques, vous avez des trams, vous avez des métros. C'est pas ce que les gens viennent voir. Et c'est ça ce qui est malheureux. Encore une fois, l'UNESCO ne peut que condamner ou regretter, déplorer. En fait, à l'UNESCO, on ne dit pas condamner, on déplore toujours et on regrette fortement, etc. Mais ça ne change rien. La société internationale, mais pas au niveau officiel, c'est-à-dire le public peut faire la différence, il peut faire pression sur Israël. Les instances internationales officielles, malheureusement, on a vu, ils ne peuvent plus. Les instances comme par exemple le Human Rights Council
périodiquement, ils sortent aussi des résolutions qui condamnent Israël et qui demandent aussi l'envoi d'une mission. Mais Israël refuse. Par exemple, pour le patrimoine mondial, depuis 2010, il y a eu une décision du comité de patrimoine mondial pour envoyer une mission d'experts à Jérusalem pour faire rapport sur l'état de conservation du site. Bien sûr, Israël a refusé jusqu'à maintenant. Donc maintenant, ça fait 10 ans. Israël n'entend pas raison. Et donc, les instances internationales n'ont plus de poids concernant Israël. Je pense que les mouvements spontanés des associations et des populations font beaucoup plus pression sur Israël que les résolutions et décisions condamnant leurs violations, etc. À titre d'exemple, le mouvement de boycott. Au départ, Netanyahou a dit « Oh, ça ne fait rien, on s'en fout, ça ne change rien ». Et finalement, maintenant, il y a un département entier au ministère des Affaires étrangères en Israël qui est dédié à la question de boycott. Et il ne faut pas oublier que ce qui a fait tomber, c'était l'un des paramètres, à mon avis, c'était le plus déterminant, c'était le mouvement populaire anti-apartheid qui a fait tomber l'apartheid en Afrique du Sud. Et puis nous, actuellement, on s'achemine vers une nouvelle forme d'apartheid. Et ça, c'est encore la responsabilité internationale. L'Union européenne n'a pas assez de courage. Bon, on a compris, les États-Unis, il y a parti pris, c'est normal, mais l'Europe, théoriquement, respecte la légalité internationale. Et puis, la France et le UK font partie du Conseil de sécurité. Donc, ils ont voté ces résolutions qui demandent à Israël d'arrêter ci, d'arrêter ça, de se retirer. C'est le problème actuel, c'est qu'au niveau international, au niveau officiel, il y a un déséquilibre. La population européenne aussi est perdue. Il faut dire les choses honnêtement. Monsieur tout le monde en Europe n'a pas le background historique de Moyen-Orient. Et il y a de moins en moins aussi, c'est malheureux, de gens qui s'intéressent à ce problème et à chercher dans disons les racines pour remonter loin. Maintenant, on est devant un état de fait et les gens ne réfléchissent que sur ce qu'ils ont devant eux. Le boycott, ce n'est pas un boycott de religion ou des juifs, c'est le boycott d'un État qui refuse de respecter le droit de la population vivant sur la même terre. On vit sur la même terre, mais on n'a pas les mêmes droits. Un Israélien, il peut circuler là où il veut, quand il veut. Bon, oublions le Covid, sans le Covid. Un Palestinien n'a pas ces mêmes droits. C'est les droits fondamentaux. Israël ne respecte pas les droits basiques. La première chose, c'est le droit de mouvement, on ne l'a pas. Et ça, c'est essentiel. L'idée du boycott et le principe de boycott, c'est faire pression sur le gouvernement et sur les officiels en Israël. Il y a beaucoup d'artistes qui étaient programmés pour se produire en Israël et qui, au dernier moment, ont renoncé. Et il y en a de plus en plus. On ne boycotte pas la culture ou on ne boycotte pas les artistes, on boycotte un État, on boycotte une politique raciste, une politique de discrimination contre les populations vivant sur sa terre. Bon, pour finir et pour revenir à Bethléem, je pense qu'il est nécessaire, et surtout à la période de Noël, qu'il y ait quand même un mouvement de masse pour visiter la ville, ce qui d'abord fait vivre la ville et la région, mais surtout, ça, c'est une mesure de protection du patrimoine, que ce soit matériel ou immatériel, et de la tradition à Bethléem. Une ville comme Bethléem, je vous ai dit, c'est une petite ville, mais si on continue cette fermeture, avec le déclin, comme je vous ai dit, des sources de vie pour la population, les derniers qui vivaient encore de leur terre n'ont plus accès à leur terre,
ça leur pose un problème. Les artisans, il n'y a plus de travail artisanal. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le seul choix qui leur reste, c'est l'immigration. Et donc, c'est ça le fléau, c'est ça le véritable problème. Comment lutter contre ça? On essaye d'étouffer les populations pour les obliger à accepter n'importe quelle solution imposée. Et vous savez, comme par exemple cette solution, fameuse solution de la blague du siècle de M. Trump. C'est ça l'idée. Et si on laisse faire, croyez-moi, dans une dizaine, peut-être moins, au maximum une vingtaine d'années, la configuration de la Palestine et de la population palestinienne va changer encore. Et tout ce qui est lié à votre histoire, c'est-à-dire vous, les Occidentaux, sera effacé. Personnellement, je suis convaincu que les réseaux sociaux, les associations, les mouvements spontanés sont beaucoup plus efficaces que les décisions des Nations Unies, qui sont très importantes, les décisions des Nations Unies, de l'UNESCO et de Human Rights Council, de toutes ces organisations. C'est super important, mais ce n'est pas ça ce qui heurte Israël et qui les fait réfléchir. Effectivement, c'est lorsque ça circule sur les réseaux sociaux, quand ils voient que c'est un mouvement spontané et populaire, là, ils commencent. Ils ont vu que ça se diffusait de plus en plus et ça, c'est parti dans pas seulement les associations, mais même des individuels. On voit sur leur compte des appels au BDS. Là, ils ont changé. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire aussi pour qu'Israël cesse ses pratiques contre le patrimoine. Pas seulement à Bethléem, mais à Hébron, à Jérusalem, à Nazareth, un peu partout. Et j'insiste sur une chose, le changement du caractère distinctif des villes, c'est mortel pour l'avenir de ces villes-là. Parce que si Bethléem, on fait pareil comme à Jérusalem, on met tram et grande roue, et puis téléphérique et je ne sais quoi, ça serait absolument inutile pour un visiteur occidental d'aller là-bas. Chacun peut mettre sur son propre compte ses arguments. Et le premier argument, c'est respecter le caractère distinctif des villes palestiniennes. Je me suis concentré sur le côté patrimoine, culturel et immatériel, mais c'est vrai au niveau éducation aussi. Les pratiques israéliennes, ça affecte aussi l'éducation pour les élèves et pour les étudiants. Ces murs-là, ça oblige certains élèves et certains étudiants qui avaient besoin de marcher 200 ou 300 mètres maximum, de faire le tour et marcher un kilomètre ou deux. Mais comme ça a été dit, pas seulement Bethléem, c'est le problème partout. Mais Bethléem, l'encerclement, si on met une carte et on regarde les colonies autour, c'est encerclé réellement, tout comme Jérusalem, d'ailleurs ça y est, ça a été coupé du reste. Si on met la carte et on regarde, et on voit que les villes palestiniennes maintenant sont encerclées de colonies. C'est le cas à Bethléem de façon terrible, parce que de jour en jour, ça s'agrandit. C'est le cas à Hébron, c'est le cas depuis longtemps à Jérusalem. À Bethléem, il y avait beaucoup d'écoles étrangères. Par exemple, jusqu'à maintenant, il y a l'école des Frères, il y a l'école de Terra Santa, il y a l'école luthérienne, mais il y avait d'autres écoles qui étaient obligées de fermer. Il y avait une école grecque qui était obligée de fermer. Ils essayent de faire revivre ça depuis 2 ans. Donc ça a affecté tous les domaines de la vie quotidienne et à tous les niveaux. Si on veut parler des autres domaines de compétences de l'UNESCO qui sont affectés par les pratiques israéliennes, il n'y a pas que les étudiants, et les élèves et les professeurs, mais il y a aussi les journalistes. Les journalistes subissent des pressions, mais des intimidations terribles. Récemment, c'était il y a quelques mois, on a tiré dans l'œil d'un journaliste photographe. On lui a tiré dans l'œil. Tous les domaines de compétences de l'UNESCO sont affectés par les pratiques israéliennes. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous peut contribuer à sa façon. Mettre
simplement un petit message sur son compte Twitter ou Facebook, c'est déjà pas mal. Rien que mettre, par exemple, à l'époque de Noël, d'habitude, il y a aussi des messages de solidarité, il y a des choses intéressantes. Par exemple, on voit le Père Noël arriver à Bethléem et puis il est arrêté au checkpoint par les soldats, des choses comme ça. Et ces messages-là sont tirés d'une réalité. Et je pense que c'est très effectif. Et ça fait peur à Israël beaucoup plus que les roquettes. On ne demande pas aux gens soutenir la Palestine et dire Israël doit disparaître. Non, c'est pas ce qu'on demande, nous. On demande simplement qu'on respecte nos droits comme on respecte leurs droits. Que nous, les citoyens en Palestine, qu'on ait les mêmes droits, les mêmes possibilités de vivre comme les citoyens en l'expression, le mouvement, la liberté de culte, la liberté, toutes les libertés qui sont confisquées actuellement pour le citoyen palestinien. Je pense que c'est très important que ça soit dit par des individus. Et ça, je suis certain, c'est beaucoup plus efficace et ça touchera beaucoup plus le gouvernement israélien que les instances officielles onusiennes et autres. Pendant des années, le jumelage n'était que nominatif, c'était simplement une idée, il n'y avait pas d'activité, il n'y avait pas d'échange, il n'y avait rien. Et effectivement, on en a parlé à Noël, par exemple, parmi les mesures qui pourraient aider la population et les encourager à continuer, par exemple, dans le développement de l'artisanat et revenir à cela, c'est justement de retrouver dans les échanges avec les villes jumelées, par exemple à l'époque de Noël, faire venir les produits artisanaux de Bethléem, par exemple ici à Montpellier ou par exemple à Chartres, parce qu'on est aussi jumelé avec Chartres. Ça, c'est parmi les mesures concrètes qui, d'abord, ça aide, disons, matériellement, mais surtout, et ça c'est très important, moralement. Une conférence internationale à Bethléem avec tous les pays jumelés, c'est une idée extraordinaire. Maintenant, vous savez très bien quelles seront les difficultés pratiques. On peut reparler, je peux rappeler Monsieur le maire, si vous en avez parlé, je peux lui rappeler cette histoire, mais maintenant, avec la crise Covid, il faudrait attendre. Bon, ça c'est une idée à garder en tête. Il y a beaucoup de citoyens israéliens qui luttent contre les violations israéliennes. Et puis, ce n'est pas seulement des individus. Ils ont carrément monté des structures associatives. Et on peut rendre hommage pour... Si on parle seulement de patrimoine, on peut rendre hommage à une association que je respecte qui s'appelle Emek Shaveh. Emek Shaveh est une association israélienne composé d'archéologues et experts en patrimoine et qui sans cesse condamnent les violations israéliennes à Jérusalem, comme par exemple cette histoire de projet de téléphérique ou comme les fouilles ou comme la grande roue, etc. Il y a des citoyens israéliens qui sont très solidaires des droits du peuple palestinien, pas seulement au niveau politique, mais aussi au niveau de patrimoine, tout à fait.